Et voilà, tout le monde, c'est Gretto, salut tout le monde. Voilà, donc c'est Gretto et on se retrouve pour une petite session de stream cet après-midi. On est le 12 octobre, il est 14h15 pour être précis. Et on va balancer le petit Twitch, enfin le petit... Oulala, je dis n'importe quoi. Le petit lien, surtout, ça fait une petite semaine que j'ai pas lancé de stream. Donc le dernier, c'était la semaine dernière. Donc on va en profiter, là, vu que j'ai un petit peu de temps, on est tranquille. Hein. Pour avancer un petit peu, beaucoup, on va avancer un petit peu de Skyforge. Skyforge, donc oui, là non, ça c'est terminé. Il faut que je balance, oui, avant même de balancer le lien du tweet. Le lien du Twitch. Je vais lancer Chatty, que je ne l'ai pas lancé. Pas d'image perdue. C'est nickel, et je n'ai pas changé le titre du stream. Ça c'est génial aussi. Select Game Skyforge. Est-ce qu'il va le trouver? Parce que l'autre fois, il trouvait plus la liste de jeux. Ah si, voilà, il a trouvé Add to Favorite. Skyforge. Découverte d'Ascension. Update! Yeah! Donc ça, c'est fait. Le stream est lancé et tout, maintenant il faut plus qu'à balancer le lien. Alors, je suis sur Twitch, alors on va aller sur la chaîne, on va voir un petit peu, on va regarder un petit peu le retour de stream. Et c'est en direct, mais j'ai pas encore le retour. Vas-y, charge, charge. Oui! Voilà, alors une chose qu'il faut que je fasse aussi, que je n'ai pas fait, c'est balancer le son. Alors là, c'était complètement le stream lancé à l'arrache. Hop. Foutre le casque normalement. Hop. Coupe les enceintes et on va voir le retour dans ce qu'il faut quoi. De toute façon, je le verrai tout de suite si vous n'avez pas de son et je relancerai au cas où il n'y a pas de son. Voilà. Alors, pour tous ceux qui ont été un petit peu attentifs en dessous de la fenêtre de stream, on peut voir que j'ai changé un petit peu toutes les petites icônes. Voilà, et maintenant c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup mieux. Quoique, faudra que je change un petit peu la config PC, que je mette un lien directement vers le blog où j'ai mis où j'ai une page avec justement toute la config PC, tout ce qu'il faut. Mais c'est pas le souci. Allez, on va balancer le petit lien et puis je vais lancer le jeu. Après, parce que j'ai pas encore lancé le jeu, j'ai fait la petite mise à jour. Je l'avais relancé hier. Mais voilà, donc non, il n'y a rien d'intéressant qui se passe sur Twitter. Ok. Petit live sur Skyforge. Yeah! Voilà, c'est comme ça. On tweet. Voilà. Ok. C'est un lien intéressant là. Je vais aussi me connecter sur Discord au cas où. Voilà, je vais aller sur le channel et puis je vais aller dans. Ouais, tiens, il est dans l'AFK, mais je vais aller dans l'accueil. Dans l'accueil, on peut pas parler, je crois. Ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer la salle et que je vais l'appeler Skyforge. Comme ça, si vous passez, vous pouvez rentrer, il n'y a pas de souci. Skyforge. Ah! Non! Voilà, ce que je vais faire, c'est ça. Voilà! Skyforge. Allez, on lance le jeu et on passe. Qu'il faut. Voilà, je tweet. Et on ferme Steam. On ferme ça aussi. Et là, il y a toutes les petites. Mais on s'en bat les steaks. Et merci pour ton host automatique, Timmy, comme d'habitude. Enfin, voilà! Et si on a un peu de chance, on passera sur Motorsport Manager un petit peu plus tard. Honnêtement, je ne sais pas du tout si je passerai dessus. Enfin, ce week-end, oui, mais peut-être pas en stream. Et ce soir, probablement, on se fera du Watch Dogs. Alors là, là c'est cool parce que le jeu est en plein écran, mais vous ne le voyez pas. Alors, ce que je vais faire là, vous avez le son, mais vous n'avez pas le jeu. Ah, il va probablement falloir que je passe en plein écran fenêtre, oui, en plein écran fenêtré sur le jeu parce que la capture d'écran ne détecte pas le jeu, j'ai l'impression. Alors, ce qu'on va faire, c'est là tout de suite. Déjà, voilà, on va comme ça.
Maintenant, là, vous avez le jeu. Voilà, donc là, le jeu s'est affiché comme par magie, c'est génial. C'est oufissime, merci moi. Un petit peu de messages. Un peu d'argent, un peu de crédit, connaissance des ennemis, voilà, bon, on s'en fout un petit peu. Ce que je voulais aller avant tout, moi, c'était faire des petites missions. Histoire de récupérer un petit peu de stuff. On va rechercher un petit groupe, essayer de voir s'il y a des joueurs qui sont là-dedans, là. Uniquement pour faire le niveau, pour faire le nouveau raid, je suis absolument pas encore assez bien équipé. Il me faut, alors j'ai en termes de puissance, j'ai à peu près ce qu'il faut, mais il me faut au moins de l'équipement de génération 5. Et là, je commence à peine à toucher un peu le génération 4. Donc, il va falloir que j'aille me, enfin que j'aille me booster un tout petit peu. Il va falloir que j'aille looter des bonnes choses. Alors on va jouer Artyor, parce que c'est la classe que j'aime le, enfin, c'est la classe que je maîtrise le plus entre guillemets. À savoir que là je ne suis pas sur mon, je ne suis pas directement sur mon compte, sur un compte que my.com a bien voulu me prêter. Oh putain, cette armure elle est classe. Du coup on va jouer avec. Du coup on va jouer avec. Et par contre Chatty, tu es où? Chatty s'est lancé, ah il s'est lancé là, voilà. Et bon là j'ai tout ce qu'il faut. Ouah, elle est classe cette armure. Est-ce que moi j'en ai pas autant sur mon compte. J'en ai vraiment pas autant du tout. Bah, l'armure là elle était vraiment classe. Ouais, celle-ci elle est classe. Par contre, on va peut-être éviter le chapeau là. Oh là là, c'est magnifique. En mode momie. Mode Stormtrooper. Ouah, c'est classe. Non, franchement. Oh putain, il y en a pas mal aussi là. Non, franchement, ça tue. Oh, ça tue. Non, c'est vraiment pas mal à ce niveau-là. Ça tue. Alors, il veut pas me trouver de personne pour le matchmaking. Ok. Ah oui. Petit problème de touche. Il veut pas aller à gauche là. Parce que j'ai une touche qui est attribuée à Q. Ah voilà, tous les réglages ont été appliqués, maintenant je peux enfin me bouger comme je le veux, c'est cool. Alors est-ce que je vais trouver une petite quête tranquillement là? Parce que j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de joueurs là. En tout cas ça parle pas beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont avec la classe du flingueur. Alors je vous montrerai peut-être le flingueur avec mon autre compte tout à l'heure. Avec le flingueur, il faut que j'aille complètement me stuffer, et je ne le suis pas du tout avec mon autre compte. Tout ça, je m'en fous. Je voulais vraiment ma jambe, parce que je vais déjà tout nettoyer. Je sais plus ce qu'il y avait ici. Les distorsions, mais c'est pas ce que je veux. Du coup, en attendant que la petite partie en matchmaking se lance, si elle veut bien. Et on va se foutre là comme ça. Ah là là, ah là là. Alors, K a sélectionné le temple des exploits. Le temple des exploits, c'est probablement par ici. Assistant des espoirs, hop.
Ok, ouais, donc là en fait il y a une partie de la quête principale à faire. Enfin, qui montre un petit peu les nouveautés. Faire une aventure d'unité et prendre une forme divine. Ouvrir la tâche prioritaire si nous vous adeptes à la recherche des clés, des éléments et attendez qu'elles aient terminé. Je crois bien que j'en avais lancé hier. Bah, tous ceux-là, ils sont lancés. Ok, là, il y en a encore pour 3 jours. J'en ai combien? Je sais même pas, j'en ai combien. C'est pas mal, on va tout taper. Un peu de connaissance des ennemis, un peu de récompense, ça c'est cool. Ok. Non, c'est 9. Me coûte un peu d'argent et de la flemme. On va garder tout ça. Récupère la récompense. Les copies de fragments de cartes, et ben tiens. Vu que j'en ai 3, on va les dépenser. Ok, étant donné que là, la partie en matchmaking n'a pas l'air de vouloir se lancer, peut-être partir sur autre chose. Naëlion, les aventures à prendre, une petite aventure à 5. Ou à 10, tiens. En fait, grosso modo, là, toutes les missions sont un peu bas level par rapport à ma classe. Du coup, faut que je trouve des trucs assez cool à faire. Dans la campagne, non. Voilà, il met tout à faire, mais honnêtement, là, j'ai la flemme. Allez, on va aller faire cette aventure-là, vu que ça fait partie des quêtes principales. Il me faut 1 million, et j'en ai 2, donc ça devrait pouvoir se faire. Allez, on va l'argent, là. On va quitter tranquillement la file d'attente. Pour Ada. Du coup, j'aurais peut-être dû le faire ça la semaine dernière, lorsque, enfin, même il y a 2 semaines, lorsque le truc était lancé. C'est vrai que quand la mise à jour a été lancée, il y avait énormément de monde en jeu. Là, maintenant, il y en a un petit peu moins. Là, c'est assez sombre. Ça devrait changer. Voilà. On reste tranquillement. Voilà. Alors je sais même plus si celle-ci je l'avais déjà faite ou pas. Attends, j'en souviens même plus. Allez. En plus ça va, parce que maintenant il ouvre. Il récupère les composants tout seul sans que je lui demande rien et ça c'est cool. Ça c'est une des raisons pour laquelle j'aime beaucoup ce personnage-là. C'est le fait qu'on puisse réussir les objectifs. Enfin, qu'on puisse farmer entre guillemets assez tranquillement, surtout sur du trash mob. Alors lui, on va le faire comme ça. Commencer comme ça. Histoire qu'il balance une orbe ou deux déjà. Voilà. Il lui fait mal, je suis quasiment à la moitié déjà. Bouclier.
Et on est tranquille, on est bien parti. Ouais, ça va le faire. Je l'ai pas vu arriver, lui. Mais ça, heureusement que j'ai pas été dans l'inventaire, parce que j'étais à deux doigts d'aller dans l'inventaire et je l'ai vu arriver. Enfin, j'ai juste vu arriver vite fait derrière moi, là. J'ai vu une barre d'ennemis, en fait, qui était derrière moi. Je me suis dit, merde, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ça va, il a pas beaucoup de vie. On remet le bouclier. C'est vrai, c'est que ce bouclier-là, il a une petite il a un petit passif. Lorsqu'il a plus d'énergie, hop, en fait, il explose. Du coup, il inflige des dégâts à tous ceux qui sont autour de lui, et ça, c'est cool. Le lac souterrain. Voilà. Ce que je voulais aller voir, c'était aller regarder ce que j'ai looté, histoire de voir si ça va. Mais si ça va, non, 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 ça va pas m'aider du tout. Deuxième génération, rien du tout, rien du tout. Brasser des ombres. Est-ce que c'est ce que j'ai looté tout à l'heure? Honnêtement, je suis pas sûr. En tout cas, si je récupère que du, au moins du génération 4, c'est peut-être pouvoir enfin commencer à être bien équipé pour faire le nouveau raid. Allez, crevez tous, bande de chauves-souris. Ah, lui, il est un peu plus fort que les autres, lui. Hop. Allez. Ah si, j'avais déjà fait cette quête-là. Je crois que je l'ai même fait en stream, d'ailleurs. Pas sûr, mais... Il me semble que je l'ai fait en stream. Alors, on va récupérer ça. Ah, les armes que tu récupères au sol, elles sont franchement stylées. Voleur de bonbons. Ça c'est un event, ça. Parce qu'il me semble pas que t'en avais avant. Ils sont beaucoup là en plus là. Et le voleur de bonbons là. Allez, crevez tous. Et voilà, en plus avec les petites connaissances des ennemis, ça fait plaisir. J'ai tout détruit là. Éliminer les œufs. Ah, il en reste encore, c'est pour ça. Voilà, comme ça va plus vite. Ouais, je vais faire ça. Tant qu'il m'attaquera pas sérieusement, je vais rester comme ça. Ah, là, j'aurais dû partir, parce qu'en général, il fait mal quand il fait ça. Ah non, quoique. Il m'a rien fait du tout, là. Je sais pas ce qu'il allait faire dans le mur, là. C'était pas Swaggy. Je sais pas s'il est buggé ou quoi, mais il fait des trucs chelous là. J'ai infligé la moitié des dégâts limite, sans... enfin l'infliger la moitié plus de la moitié de sa barre de vie sans même qu'il ait pu m'attaquer quasiment quoi.
Allez, t'es bientôt mort, mon petit. Alors là, j'ai eu un bracelet de vie, on va voir ce que ça porte, ça. Et surtout, à quel niveau je le récupère. Un bracelet de vie, voilà. Je récupère un truc de niveau 30, hein. C'est bien ce que je pensais. De niveau 300 000, quoi. En 30 000. Et on sort la petite monture, histoire d'aller un peu plus vite. Oh bah c'est pas là, alors ouais, c'est dans l'autre côté. En fait, c'est vraiment dans la salle du boss, il faut passer par là-bas. Ok. Voilà, faut les détruire ces trucs-là avant que les œufs éclosent. Il en reste encore un. Ah, en fait, ouais, c'est l'espèce de petite tour là qui est avec moi qui récupère ce qui tombe au sol. Ça, c'est pas mal, ça. Et viens là, toi. Voilà, c'est fait. Voilà pourquoi j'aime bien cette classe. Pour le trash mob, là, tu peux les terminer très 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 rapidement et j'aime. De toute façon, c'est la classe probablement leur tir que j'ai le plus joué. Éliminer Scarbégion, donc comme on dit, là, ouais, ça là c'est la fin. Après, ça va sonner la fin. Par contre, lui, il avait 15 barres de vie, j'ai l'impression. Lui, il a une espèce de dash en fait, qui te met à moitié KO. Voilà, c'est ça. Alors, faut surtout essayer de rester, de bouger contre lui. Voilà. De tourner autour de lui en fait. Ah, quand il prépare ses ailes là, voilà. Et qu'il part. Ouais, lui, je l'ai déjà affronté une fois ou deux déjà. Allez, ça va le faire tranquillement, il n'y reste plus beaucoup. Allez, 4%, 3%. Voilà, quête terminée. GG moi, bon, la mission était simple aussi. J'avais largement le niveau pour la faire. Donc sélectionner sur l'écran des opérations, et donc plus je vais en faire des missions, plus je vais gagner des points, donc plus ça va être simple, entre guillemets. Et, attendez, déjà, faut que j'aille voir si j'en ai... si j'ai pas une mission à rendre. Passer en forme divine, équiper l'adepte d'une relique, ouvrir les tâches prioritaires situées à gauche de la campagne.
Alors ça, est-ce que ça permet d'avancer? Voilà, c'est ça que je reviens. Voilà. Donc là, il faudra que je fasse le port de Naori. Terminer la quête à port de Naori. Grosso modo, c'est des quêtes de campagne, je sais pas trop quoi, là. Et les adeptes... La dette d'une relique. Par contre, ce que je peux faire, peut-être que c'est ça qui me demande. Elle a quoi, c'est d'intelligence. On va voir ce qu'il y a en intelligence que j'ai récupéré. Voilà, encore une quête de terminer avec un petit coffre en plus. Comme ça, ça permet d'avancer vite, tranquillement. On va d'avoir un petit coffre. Et dans fragments de cartes précises. Il en faut 10 comme ça. Ok. Pour avoir des coffres. Ok. Boîte d'offrande. Ah oui, ok, non, c'est un artefact en fait. Ok. Utilisez 10 papiers de bonbons pour recevoir une quête de recherche de la cachette des voleurs de bonbons dans le parc de la capitale. Ouais, ok, donc ça c'est ce qui se passe, c'est les ventes qui en ce moment. Okay. Ce qui permet d'avoir des costumes ou des bonbons, d'accord. D'accord, d'accord. Ça a l'air pas très très long, mais alors on va rechercher un groupe. En groupe, il y a le fort de Darlek, 5 joueurs. Rubis de la mort de génération 3, c'est peut-être probablement mieux que ce que j'ai. Autant faire une recherche de groupe pour ça. On va passer un peu sur le moine. Par contre, il va falloir que je me trouve une arme pour le moine, parce que je crois que j'ai l'arme de base pour le moine. Ah non, même pas. Alors, tous les dégâts... 60%... Dégâts au début de combat, 72%. Dégâts au bouclier, 240%. Et hop, en plus, ce terme-là, elle a l'air un peu plus swaggy. On va changer aussi un peu la tenue, tiens. Parce que là, ça fait pas tellement moine. Si vous voyez ce que je veux dire. Là, ça fait un peu plus moine quand même. Et ça le fait quand même, hein. Ça le fait quand même, hein. Outer shell changed. Combat efficiency unchanged. Matchmaking est toujours en cours, ok. Number of tracked objects exceeds acceptable limits. Sensors overheating. Reboot required.
Ok, manœuvre esquive, onde de choc, piège. Piège, c'est sympa, c'est le truc que j'utilisais, ça. Intervention divine, coquillon. Ça peut être sympa pour réduire un petit peu les dégâts. Ok. J'ai pas vu ce que c'était ça. Dôme de protection. L'utilisation d'aptitude offensive permet de faire appel à un dôme de protection. Dôme de protection réduit les dégâts de 60% subis par tous vos alliés dans un rayon de 12 mètres. Vous inclus, mais ne permet pas de se déplacer. Ok, donc vaut mieux éviter ça. Autant utiliser un truc qui permet de te déplacer. Promotion transperçante. L'utilisation d'aptitude offensive peut faire que votre compagnon attaque votre cible avec une petite pistole qui inflige des dégâts progressifs pendant la durée. Enfin, ok. Mode soutien. C'est ça. Mort subite et dégâts ne sont infligés que si vous attaquez des types que la première fois depuis 30 secondes. Vous et vos alliés, sous l'effet de votre aura de soutien, vous pourrez infliger des dégâts que vous ayez une arme spéciale ou non. Et. Chaîne de la destruction. C'est un symbole. On ne peut activer qu'un seul symbole par bastion en même temps. Vous pouvez échanger le symbole sélectionné contre des. Et. Paré. On va partir là-dessus pour le moment. Ok. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de monde. Updated instructions. Please refrain from rebooting me until the operation is complete. Non mais c'est parce que je suis pas dans le canal région, j'étais dans le canal en région, enfin j'étais dans le canal en région quoi. Enfin, environ plutôt qu'en région. Ok. Alors, je sais même plus laisser laquelle que j'ai pris, moi. Darlek, ok. J'ai pas l'impression qu'il y a grand monde qui veut la faire, celle-ci. Et je ne sais pas trop pourquoi. Patria. Je peux voir son profil. Il est beaucoup fort lui. Voir pourquoi ils veulent tous faire Epsilon. Il est nul. Ils veulent tous faire Epsilon, donc on va rechercher un groupe.
Probablement que je vais trouver plus facilement. Ok, donc ouais, pour Epson, ouais, je peux pas... de toute façon, je peux pas faire le hard mode. Parce qu'il me faut 10 millions. En plus, en prestige, je ne suis qu'à 2,5. Ok. Ben alors... Bordel, sympathique ce truc. J'ai l'impression qu'il y a pas... les gens un petit... ont redéserté le jeu, entre guillemets. Que c'était que ça. Ah, j'ai une monture que j'ai débloquée, apparemment. Que je n'avais pas vue. Voilà, ça c'est une monture, ça. On va aller la voir. Oh, stylé. Stylé et le petit Pégase. Et toujours pas de partie en matchmaking. Et je pense, j'ai l'impression que c'est pas la joie du tout là. Oh bordel. C'est pas la folie non plus en termes d'équipement, hein.
Bordel. Insufficient memory space, archiving data. On s'arrêtait là, parce qu'à mon avis là, les carottes sont cuites, hein, je vais rien trouver du tout. Ok, on va s'arrêter là pour cet après-midi, pour Skyforge. On va se retrouver ce soir. Ce soir, je vous ferai du Watch Dogs. Donc voilà, donc si le jeu vous intéresse, n'hésitez pas à être là ce soir, parce que ce soir, on fera du Watch Dogs, les amis. Allez, bah bon après-midi à tous, et puis à ce soir pour Watch Dogs. Oh putain, j'ai du mal à le dire. Et ciao, ciao.